de santé qui peuvent appartenir à ce groupe. On doit travailler avec eux. Il faut se rapprocher des infirmiers, il faut se rapprocher des personnels des services sociaux, se rapprocher des personnels de maisons de santé, des hôpitaux. Vous avez souvent des patients qui sortent des hôpitaux. Et si vous n'avez pas un lien direct avec soit le pharmacien hospitalier ou le médecin hospitalier, comment voulez-vous par la suite faire le suivi du patient en ville? Les médecins conseils chez nous ont un très grand rôle à jouer. Comme on l'a dit depuis hier, les médecins doivent travailler en équipe avec les pharmaciens. Et les médecins sont responsables du diagnostic principalement. Et quand on doit soigner toute la population, tout ce qui demande un peu plus d'argent chez nous passe par le médecin conseil et il donne son aval, ce que nous appelons visa. Moi, je vais axer ma présentation sur un petit segment de l'orthopédie en officine, qui est la délivrance des semelles orthopédiques et des prothèses mammaires externes pour l'accompagnement de la patiente après une opération du sein. Alors, juste quand même un petit rappel, en France, l'activité d'orthopédie est une activité spécialisée de l'officine et elle est autorisée par le Code de la santé publique, elle est autorisée en plus. Et donc, du coup, il y a une réglementation spécifique pour faire de l'orthopédie. Il faut avoir donc une qualification, donc un diplôme. Il faut avoir un local adapté et il faut respecter certaines règles. Je parle de l'orthopédie en tant qu'orthopédie sur mesure. C'est vrai que il y avait le docteur Monique, elle est partie, elle aurait peut-être pu répondre. C'est aussi un problème de volonté et de stratégie, déjà, de vos institutions ici. Parce qu'en France, ça s'est pas fait, ça s'est fait en fait, on a un conseil de l'ordre, on a le syndicat. Il y a une volonté que tous les pharmaciens soient bien formés par rapport aux missions qui nous sont confiées, par rapport à notre déontologie déjà de pharmaciens. Vous, normalement, je pense que vous avez la même déontologie. On est là pour accompagner, pour conseiller, pour dispenser des médicaments. Mais pour ça, il nous faut certainement, c'est sûr, de la formation. Donc, ce que je peux dire, il faut vraiment continuer cette collaboration qui vient de commencer, qui vient de naître. Il faut vraiment que son lien ne soit jamais rompu. Par contre, nous avons essayé vraiment d'assurer que voilà, ces échanges continuent. Grand merci pour les jeunes consoeurs pharmaciennes qui sont à l'université, qui sont dans le travail, pour la participation. Il n'y a rien d'intéressant quand on organise quelque chose qu'on voit que les gens participent, non pas par la présence, mais participer activement, curiosité, demander. Et un collègue qui est venu de France tout à l'heure me disait, il est grand temps que nous posions des questions sans faire seulement des complaintes. Se plaindre. Non, nous sommes des acteurs. Et quand on est acteur, on agit. Enfin, je veux remercier tous les présentateurs, tous les orateurs du Rwanda ou même de France, parce qu'on n'a pas tous eu beaucoup de temps pour pouvoir mettre au point tout cela. Mais vu l'enthousiasme qu'on a généré, je n'ai aucun doute que les présentations ont été enrichissantes pour tout le monde et que voilà, le MPC fera tous les efforts pour mettre à disposition donc, de tous les demandeurs les supports de communication qui ont été présentés.